Dans ce journal, on vous mènera à la découverte d'un commerce peu ordinaire, la vente d'herbes, cette plante que l'on jette très souvent à la poubelle. Une bonne nouvelle également dans cette édition, le prix de l'essence super a baissé depuis hier, 26 francs CFA en moins. Au Mali, ouverture depuis hier à Bamako des assises pour la réconciliation. Plus de 3000 personnes participent à cette rencontre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'on s'intéresse pour commencer à cette activité qui se développe de plus en plus. Le commerce d'herbes à l'abattoir de Port-Boué, cette plante qui autrement serait jetée à la poubelle, est proposée à la vente et l'activité semble nourrir son homme. Un reportage signé Chris Patern et Franck Quadio. Malgré les bonnes intentions de son propriétaire, ce mouton ne semble pas apprécier son petit déjeuner. Et pourtant, il bénéficie de 500 francs CFA de frais d'herbage à l'abattoir de Port-Boué. Pardon, si on a payé ça, on peut manger aujourd'hui et payer demain. Comme moutons, ils ne sont pas beaucoup. Les vendeurs d'herbes, on en dénombre une pléthore. Chaque jour, sillonnant les broussailles de la commune, on les aperçoit même le long des voies, les chariots remplis d'herbes fraîches. Je suis allé chercher ça en bus pour amener derrière l'aéroport. Et apparemment, ceux qui s'y adonnent ne semblent pas broyer du noir. Un ou trois à 6 000. Bon, s'il n'y a pas le marché, aussi nous fait à 4 000. Mais des fois, dans les périodes de fête, on a payé à 13 000, à 14 000, mais un ou trop. Activité juteuse, la vente de l'herbe verte semble susciter peu de convoitise. En tout cas, moi personnellement, même dans 10 ans, il ne voit pas un Ivoirien faire ça. Même si c'est dur, on va passer aux choses. Des clichés et autres idées reçues fortement ancrées dans les esprits. Mais pour d'autres, le secteur peut être exploité. Dans la vie, il faut être humble. Parce que celui qui sait s'abaisser, c'est celui-là qui grandit. Donc si on veut viser loin, ces secteurs sont saturés. Donc finalement, on restera au chômage éternellement. Donc si les Ivoiriens que nous sommes, nous nous intéressons aussi dans le secteur informel et que nous nous intéressons aussi à la vente des herbes, je pense qu'on pourrait aussi nous prendre en charge. De bonnes intentions pour un secteur où certaines habitudes ont la peau dure. C'est un cercle fermé. Celui qui vient, vient son neveu. L'autre vient son frère. Donc toi, quel circuit tu vas prendre pour rentrer là-bas? Tu ne peux pas. Ici aussi, on espère la libéralisation du secteur. La vente de l'herbe sur le parc à bétail, une mine d'or bien prisée par les moutons. Et cette bonne nouvelle en image, le prix de l'essence a baissé depuis hier. Le super sans-plomb est passé de 766 francs à 740 francs CFA, soit une réduction de 26 francs CFA. Et puis cette autre initiative visant à améliorer la vie des populations, le réseau d'entraide des jeunesses des cités a initié un atelier en vue de développer chez les jeunes un leadership actif concernant l'amélioration du cadre de vie. On écoute le reportage de Grâce Kando. L'amélioration du cadre de vie environnemental des cités et quartiers préoccupe le réseau d'entraide des jeunesses des cités. La ville, le pays... Les régions sont très sales aujourd'hui et malgré les efforts qu'entreprend le gouvernement pour donner quand même une certaine qualité au cadre de vie, nous constatons que l'incivisme des populations contribue gravement à plomber ces actions-là. Et donc comment faire pour que ces populations puissent vraiment avoir un comportement citoyen? Aujourd'hui, on dit comportement éco-citoyen vis-à-vis de l'environnement. Un atelier de formation est donc initié. Le thème « Enjeu de l'institutionnalisation de l'éducation environnementale ». Pour les participants, un changement de comportement s'impose. Jeter les ordures n'importe comment, verser de l'eau n'importe comment, n'honore pas l'image de notre pays. Comment arriver à sensibiliser? Comment arriver à un résultat palpable tel que constaté dans certains pays de la sous-région? Et cela doit se faire déjà au primaire, parce que avec les grands, ça sera un peu plus difficile. Les enfants, ça sera facile de comprendre. Et jusqu'à ce qu'ils grandissent, on aura une nouvelle génération d'Ivoiriens qui a déjà un comportement vis-à-vis de l'environnement. L'atelier va donc permettre de définir des stratégies de mise en œuvre d'une politique d'encadrement, de gestion communautaire et de formation en éducation environnementale. La musique utilisée dans le cadre de la lutte contre les pires formes du travail des enfants, ces artistes vont prêter leur voix pour cette cause noble, une initiative du Bureau international du travail en collaboration avec le Programme international pour l'abolition du travail des enfants. Ami Koulibaly Kanga.
une mélodie pour lutter contre le travail des enfants. L'idée du programme Un cœur pour l'abolition du travail des enfants passe ainsi à sa phase pratique en matière de sensibilisation. Luttons tous contre le travail des enfants parce que, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de tel de voir un sourire sur le visage d'un enfant qui est épanoui. Alors les enfants, ils n'ont pas leur place au champ, ils n'ont pas leur place dans la rue, c'est à l'école. C'est un engagement qui est fort parce que les enfants doivent se trouver dans les écoles, dans les classes, pour apprendre. En Côte d'Ivoire, ce programme est exécuté par une association d'artistes soutenue par le Comité national de surveillance contre les pires formes de travail des enfants, mis en place par la première dame Dominique Ouattara. L'initiative est appuyée par le Bureau international du travail, BIT. L'année prochaine, nous prévoyons amener tous les artistes, faire une tournée nationale pour justement être aux côtés, proches des populations, pour leur parler et pour les sensibiliser davantage sur le problème. Selon le Programme international pour l'abolition du travail des enfants, IPEC, plus d'un millier d'enfants sont soumis aux pires formes de travail. En bref, il fera nuit en plein jour demain dimanche. Une éclipse solaire est annoncée en Côte d'Ivoire. En clair, le soleil sera masqué par la lune pendant plusieurs minutes. Le phénomène se produira à Abidjan entre 11h24 et 14h46, avec un maximum à 13h09. On part à présent à Sikensi pour cette remise de salle de classe au village de Yaobou. Hamza Diaby. Yaobou. Un gros village situé dans le sud lagunaire, à une quinzaine de kilomètres de la commune de Sikensi. Ce mercredi 30 octobre est une date mémorable pour les habitants du village. La fondation Petrossi leur offre une nouvelle école primaire. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi de me tenir aujourd'hui parmi vous pour la remise de la clé, du moins des clés de ce nouveau bâtiment de 3 classes. Que la Fondation Petrossi met à la disposition de votre village afin d'améliorer le niveau d'instruction de nos enfants qui aujourd'hui sont des élèves et demain seront les élites de ce pays. Avec cette école complète, le bureau du directeur, les latrines et une cantine qui sera bientôt construite, la Fondation entend faire de Yaobou le village témoin de ses réalisations au profit de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Un don perçu comme une bouffée d'oxygène par les populations. Nous soufflons des effectifs pléthoriques. Avec ce tact, nos classes seront désengorgées. Et je pense que nous pourrons dispenser des cours vraiment fiables pour donner des résultats satisfaisants. Je suis content d'avoir une nouvelle école dans mon village. Sport, football, en images, le Burkina Faso champion en titre de la 6e édition de la Coupe de l'intégration UEMOA. Le Burkina qui était aux prises cet après-midi avec le Bénin après la parité au score. La rencontre s'est soldée par les tirs au but et c'est par 9 tirs à 8 que les étalons burkinabés sont venus à bout des éperviers béninois. C'est la première fois que le Burkina Faso inscrit son nom au palmarès du trophée de l'intégration de l'UEMOA. Hors de chez nous, tout d'abord en République démocratique du Congo. En bref, l'armée tentait aujourd'hui de déloger des éléments du M23 des collines où ces derniers se sont retranchés. Au Mali, ouverture depuis hier à Bamako des assises pour la réconciliation. Mais il semble que certaines personnes aient été oubliées, d'où ces violentes protestations hier à Gao. Des milliers de manifestants ont incendié le domicile du maire. Plus de 3000 délégués rassemblés ce week-end au Centre international de conférences de Bamako. 15 jours après les états généraux de la décentralisation, le président Keïta convoque les Assises du Nord. Une rencontre destinée à fonder un nouveau contrat social entre Maliens et Maliennes de toute région. Au cœur des débats, la place du Nord dans la nation malienne et le cadre de futures négociations avec les groupes rebelles. Nous voulons également un consensus robuste sur les voies et moyens de la sortie de crise, notamment la discussion avec les groupes armés et toutes les autres composantes de la crise malienne. Pour le président Keïta, il s'agit d'une étape indispensable avant l'ouverture de pourparlers de paix. Il l'a rappelé, tout est négociable sauf l'autonomie et l'indépendance. Dans son discours, il a souligné que la diversité est constitutive de la nation malienne. La terre malienne a tiré sa force. Elle attirera toujours de sa grande diversité, faite de nuances, d'inflexions harmonieuses,
des identités mêlées. Nous sommes un carrefour de rencontres et une terre de civilisation millénaire. Et d'appuyer sa démonstration d'une liste interminable de patronymes. Diallo, Konaté, Diara, Kanté, Oul, Sissé, Koulibaly, même eux. Seul regret, les rebelles du MNLA et du HCUA n'ont pas envoyé de délégués, une absence déplorée par un élu de Kidal. Les groupes armés aujourd'hui doivent se rendre compte qu'il y a, c'est sans retour. Il n'y a plus de retour. Parce que l'indépendance, personne ne l'aura. L'autonomie, personne ne l'aura. Je crois qu'aujourd'hui, les gens doivent profiter de la main tendue de l'État, de la communauté internationale pour faire la paix. Contestant la représentativité des délégués envoyés à ces assises, des milliers de personnes ont manifesté violemment vendredi à Gao. Le gouvernement a accepté qu'une nouvelle délégation soit constituée pour calmer les esprits. Et puis toujours concernant le nord du Mali, deux journalistes de Radio France Internationale ont été enlevés et exécutés aujourd'hui par un commando armé à Kidal. Ces journalistes préparaient un reportage sur le mouvement national pour la libération de l'Azawad. En Égypte, le procès du président déchu Mohamed Morsi débute lundi 4 novembre. Les jours qui viennent s'annoncent comme une nouvelle étape à haut risque. En Égypte, mobilisation des frères musulmans avant le procès de Mohamed Morsi, procès qui doit débuter lundi. Vendredi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour réclamer la libération du président déchu. Près de 70 personnes ont été interpellées, principalement à Alexandrie, après des échauffourées avec la police. En bref, Israël a frappé, selon des médias, une base aérienne syrienne où se trouvaient des missiles destinés au Hezbollah libanais. Alors que l'émissaire international Lagda Brahimi recherche toujours un consensus pour la conférence de paix de Genève. Octobre est désigné comme le mois le plus meurtrier en Irak depuis 5 ans. Le pays qui plaide pour une troisième guerre mondiale contre Al-Qaïda appelle les États-Unis à l'aide. Rencontre à Washington entre Barack Obama et le premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Les deux hommes promettent de lutter contre Al-Qaïda, actuellement en pleine expansion selon le président américain. Le gouvernement de Nouri al-Maliki demande des avions de combat F-16 et des hélicoptères Apache pour contrer les groupes terroristes. Le principe d'une aide accrue à l'Irak en matière de sécurité est soutenu par les sénateurs américains, mais ces derniers attribuent aussi à Nouri al-Maliki une part de responsabilité dans ces violences en raison de sa politique autoritaire. Ils critiquent également l'influence grandissante de l'Iran dans la politique irakienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 2.